Ordre du bureau exécutif de l'Agence internationale de technologie robotique. Il y a 42 heures, le conseil de l'IRTA a autorisé le déploiement de casseurs à entrer au Japon incognito afin d'enquêter sur les rapports concernant le développement des robots à aspect humain de la société Hamada. Vos ordres sont d'entrer dans la digue de la baie de Tokyo et d'infiltrer les bas-fonds de la ville inférieure. Rejoignez les autres équipes nationales et foncez vers Hamada. Il s'agit d'une opération d'infiltration sans que le gouvernement japonais ne l'approuve ni le sache. Vous devez engager les forces locales au combat, mais l'IRTA niera toute implication. Bonne chance et bon voyage. Bienvenue au Japon, mon frère. Tu parles d'un accueil avec ta sale gueule? Elles sont où, les geishas? Attends de voir ce que je porte sous cette combinaison. De la dentelle? Yo, Dan, jetons un œil au système de communication. Sers-toi de ta radio si tu veux répondre ou me dire quelque chose. Bon, tu as compris comment te servir de ta radio ? Bonne réponse. Continue comme ça. Passons maintenant au matos, aux armes et aux techniques de combat. Tu peux sauter ça si t'en as pas besoin. Bon, tu veux passer en revue ton matos ou pas? Ok, on y va, vieux. Ok, d'abord on tire. Dan, tu vois le panneau là-bas? D'accord. Alors tire dessus. Tu auras plus de chances de toucher ta cible si tu te mets d'abord en position de tir. Joli tir, Dan. Je vois que tu t'es bien entraîné, hein? N'oublie pas de recharger quand t'es à court de munitions. T'as pas trop envie de te retrouver dans la mouise sans pruneau. Tu peux aussi devenir plus intime avec les ennemis en les frappant rapidement avec ton arme. Ok, ensuite on va passer au pistolet. Dégaine ton pistolet et tire sur ce panneau. Bien, content que tu sois de l'autre côté. Ouais, voilà qui est fait. Ok, mon vieux, on continue la mission. N'oublie pas de choper les munitions là-bas. Hey, je me demandais, c'est quoi tes plans une fois que tout est fini? T'aimes bien te la jouer, vacances, nana, tropique? Oh les boules, mais on sait jamais, tu pourras bien t'en taper une autre temps. Voilà qui va remplir ton agenda, sois positif mon frère. Pourquoi est-ce qu'on doit se farcir la mission avec ce temps de merde? Ok, allons-y. On devrait contacter le QG aussi. Base ici, Beetle 2. Soit Beetle 2, ligne sécurisée, repérage verrouillé. Position actuelle, 35 degrés, 6356 secondes par 139 degrés, 7724 secondes. Merci, Major. Ça te dirait de parler dans une langue que je comprends? Tu te rapproches du point d'infiltration, du con. C'est à moins d'un kilomètre devant toi. Ouais, on y arrive maintenant. Ça devrait pas poser de problème. N'oublie pas de maintenir le silence radio une fois à l'intérieur de la digue. Nous coupons
contrôleront la ligne une fois que tu seras passé. Des choses à ajouter? Ouais, dis à ta mère que je l'aime. Je t'ai entendu, Boteng. À vous. J'en ai 6 en vue. Non, 7. Ils nous encerclent. Major, nous sommes attaqués. On peut avoir des renforts. T'es payé pour ça, Boteng. Contente-toi d'aller au point de rendez-vous. Tu t'attendais à autre chose? Non, étant donné qu'on t'appelle le survivant, putain de journée. Eh, hey, c'était pas mon idée. Ces trucs sont chiants quand ils s'approchent trop près. Stoppe-les en butant leurs jambes. Vise la tête maintenant. Ils savent qui est qui après s'être fait exploser la tête. Vas-y, explose leur melon de métal. Joli. Rappelle-t'en, ça pourra servir.